Aujourd'hui, je vais vous parler un peu du climat et de son rapport avec les savoirs autochtones. C'est peut-être le thème du réchauffement de la planète. C'est peut-être dans ce thème que les peuples autochtones et leurs savoirs en particulier ont acquis la plus grande visibilité. Et ce, je crois, pour deux raisons. D'abord, on a noté que les modes de vie des peuples autochtones dépendent très directement de leur environnement naturel et qu'ils seraient donc en toute vraisemblance fortement affectés, plus fortement affectés que d'autres populations par les changements climatiques. Ils seraient donc particulièrement vulnérables. En revanche, leur très longue tradition de mode de vie spécifique leur aurait permis d'accumuler non seulement des savoirs très fins sur leur milieu, mais aussi de diagnostiquer des situations inhabituelles et de prévoir des façons de s'y adapter ou de mitiger leurs effets. En effet, les peuples autochtones habitent très souvent, nous l'avons vu déjà à la leçon inaugurale, ils habitent très souvent des régions que d'autres, dont d'autres ne voulaient pas, même si maintenant ils en veulent exploiter les ressources. Donc ce sont des peuples qui habitent très souvent des régions inhospitalières, assez particulières, et elles sont inhospitalières aussi bien par leur relief que par leur climat, et comme je viens de vous le dire, pour la bonne raison qu'ils ont été délogés par les populations majoritaires de régions à l'accès plus facile ou plus porteuses de ressources. On les trouve ainsi dans des écosystèmes particulièrement sensibles au changement climatique, justement, que ce soit les déserts, les petites îles, les côtes, les tropiques humides, les hautes altitudes et enfin les régions arctiques dont je vais vous parler un peu aujourd'hui. Et tout cela, en fait, ne fait qu'augmenter à la fois leur vulnérabilité et aussi, en même temps, la valeur des savoir-faire qu'ils ont développés pour vivre dans de tels milieux si hostiles. Et puis, il y a aussi une autre considération. Les rapports sur les changements climatiques ont toujours porté, jusqu'à présent, sur des échelles qui sont trop grandes pour rendre compte des spécificités régionales ou même des sous-écosystèmes. Or, ces populations traditionnelles, non seulement sont au fait des différents effets des variations climatiques, qu'ils soient physiques, biologiques ou sociaux, mais elles se sont le plus souvent servies de niches tout à fait particulières dans leur environnement, et vous en verrez un exemple dans un moment, dont l'usage est spécialisé selon la saison et les conditions atmosphériques. Elles sont donc à même de fournir des observations et des connaissances qui portent à la fois sur la longue durée, ce qui est bien entendu trop onéreux pour des recherches scientifiques normales, longue durée, et sur une grande variété aussi de sous-systèmes. Donc il y a aussi là une question d'échelle qui est très importante. Et pour me raccorder un peu à la leçon de la semaine dernière, qui portait, vous vous souvenez peut-être, sur le manioc, je vais vous en donner un exemple, justement, d'une région où le manioc est important. C'est le nord-ouest amazonien. Le nord-ouest amazonien, contrairement à d'autres régions de l'Amazonie, est une région très pluvieuse et avec des saisons très courtes et non marquées. C'est-à-dire qu'on a une alternance de pluie et de beau temps, en fait, qui porte sur des périodes très courtes. Or, pour brûler un essart correctement,
il faut attendre quelques jours sans pluie après l'abattage des arbres. Ça varie entre 3 et 10 jours. Ça dépend de l'intensité du soleil, ça dépend aussi du type d'arbre qu'on aura abattu. Mais 10 jours sans pluie dans le nord-ouest amazonien, ça n'arrive pas très fréquemment. Et avec les changements des dernières années, entre 2008, en 2008 et en 2009, on n'a pas eu une seule fois 9 jours sans pluie dans cette région. C'est un gros handicap pour l'ouverture des essarts et pour les plantations de manioc. On s'arrange, bien entendu, on s'arrange autrement, mais c'est certainement un effet que les Indiens du Waupesh, du Tiki, enfin tous ces gens dont je vous ai parlé la dernière fois, sont très conscients. Et autre remarque qui est très localisée, là aussi, concerne le poisson préféré de ces Indiens, qui sont d'ailleurs des consommateurs de poissons et très rarement de gibier. Donc, c'est le poisson préféré. Je vous rappelle que ce sont là des rivières très acides. Les sols sont acides aussi dans cette région. Les rivières sont acides et donc on a peu de poissons. On a peu d'ailleurs de vie, heureusement, parce que comme ça, il n'y a pas de moustiques. Mais en tout cas, le poisson qui est le plus prisé est l'aracu. L'aracu, c'est le Leporinus. Il y a plusieurs espèces, mais le genre, c'est le Leporinus. Et ce poisson, qui est donc très apprécié, ne fraye que vers le mois de novembre, qui coïncide pour les gens de cette région avec la avec le nadir de la constellation du serpent Jararaca. Et c'est à peu près le mois de novembre. Et c'est un mois où on devrait s'attendre à des crues importantes. Et ce poisson ne fraye que si l'eau monte dans la rivière du matin jusqu'aux premières heures du soir. Si jamais l'eau descend, par exemple, vers 6 heures du soir, ce poisson ne fraiera pas et on n'aura pas de poisson pour la saison suivante. Donc, c'est un poisson qui est très sensible au régime des pluies, puisque on a, au mois de novembre, on s'attend à des pluies, mais est-ce que ces pluies sont continues ou pas? Eh bien, actuellement, on n'est pas sûr, on n'est plus sûr. Donc, toutes ces questions vous montrent que les Indiens qui habitent cette région sont tout à fait au fait de menues variations climatiques et de ses effets et de leurs effets sur par exemple leur sécurité alimentaire. Je vais passer à un autre exemple, un peu pour amorcer une discussion qui va porter beaucoup aujourd'hui sur les peuples de l'Arctique, comme je vous l'ai déjà dit. Et donc j'ai pris mon deuxième exemple dans la région de Kitikmeot, au Canada, dans les territoires du Nord-Ouest, là où habitent les Inuits. Alors, chercheurs, en général d'ailleurs des anthropologues, mais des anthropologues qui connaissent un peu la biologie et la géographie et la géophysique, ce sont ces anthropologues qui ont les premiers, d'ailleurs je dois faire justice ici aux ethnosciences dont j'ai eu beaucoup de mal dans ma leçon inaugurale, eh bien c'est certainement l'ethnoscience qui a lancé une grande partie de ces recherches dans l'Arctique. Eh bien un de ces anthropologues a noté les observations donc, des Inuits dans cette région sur plusieurs aspects climatiques. Alors, il a séparé ça, par exemple, en disant, voilà, quant au climat,
il signale que les températures sont plus chaudes, qu'on ne peut plus prédire le temps qu'il fera, que l'automne est arrivé plus tard, que le printemps est arrivé beaucoup plus tôt qu'on ne l'attendait, qu'il y a eu une fonte des neiges et une fonte du gel ou de la glace maritime tout à fait précoce, bien avant qu'on ne s'y devrait s'attendre, et puis qu'il y aurait eu des journées d'extrême chaleur sporadiques, comme ça, sans qu'on s'en s'attende. On dirait le climat de Paris ces jours-ci, hein, c'est un peu ça. Eh bien, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il a noté les autres dimensions dont les Inuits faisaient état, et qui sont des dimensions, au fond, d'histoire naturelle, si vous voulez. Et pas seulement, d'ailleurs, parce que vous verrez que un des indicateurs les plus importants pour les Inuits, pour ce qui a trait à leurs activités quotidiennes, c'est l'état de la glace. Pourquoi ? Parce que si la glace est suffisamment solide, eh bien, on peut voyager, chose très importante pour différentes choses, pour la chasse, pour pouvoir visiter d'autres gens, pour circuler, et enfin pour un certain nombre, disons, d'activités. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? La glace, a-t-on dit, a eu trop de craquelures précoces au début du printemps dans une certaine baie, la baie de Hope. Et alors, qu'est-ce que cela a produit ? Eh bien, ils ont noté toute une série de conséquences. Par exemple, les caribous. Vous savez que les caribous sont la même chose que les rennes. On les appelle rennes en Europe et en Asie, et caribous dans le continent américain. Les caribous, donc, sont un gibier très important dans le continent américain, et ils sont au contraire élevés par des pasteurs de rennes en Europe et dans le continent asiatique. Là, ils sont du gibier. Donc, le caribou, disent ces gens, ont changé leur route migratoire justement à cause de ces craquelures précoces sur la glace maritime. Il y a eu également changement de végétation, aussi bien en type qu'en abondance, qui affecte leur alimentation. J'ai oublié de vous dire une chose tout à fait fondamentale, c'est que les rennes ou les caribous sont des animaux qui migrent, migratoires. Donc, aussi bien les chasseurs doivent les suivre que les pasteurs, leurs bergers, doivent les conduire. Ce sera donc un pastoralisme transhumant qu'on fera du côté européen et du côté asiatique. Donc, ces caribous qui migrent de leur plein gré, si vous voulez, dans le nord du Canada, et qui se nourrissent de lichens, surtout en hiver, et d'herbacées en été, eh bien, ils sont soumis maintenant à des aliments qui sont différents et qui ne sont pas d'ailleurs nécessairement moins bons. En fait, il y a même certains avantages éventuellement, mais l'alimentation a changé. À cause de la glace à nouveau, il y a eu une noyade massive de caribous en 1996. Ensuite, le niveau plus bas de l'eau a favorisé la traversée à la nage des caribous. Donc ça, c'était bien. Mais il a affecté la nourriture. Et puis, à cause de ces poussées de chaleur extrêmes, il y a eu mort de caribous à cause de la chaleur et parce qu'ils ont fui les moustiques. Les moustiques sont un fléau dans l'Arctique, n'est-ce pas ? Dont je vais vous parler dans un instant, et que les caribous essaient d'éviter tant qu'ils peuvent, pendant l'été. Pour les phoques, eh bien, les phoques sont remontés à la surface en de très grands nombres à cause justement de ces craquelures,
Et cela a attiré beaucoup d'ours polaires. Pour les ours, tout d'un coup, on voit apparaître dans la région des ours grizzly, des ours bruns qu'on n'avait jamais vus dans la région. Des oiseaux inconnus sont arrivés. Et puis, il y a justement les moustiques donc, qui arrivent en nombre croissant jusqu'à un certain seuil de température. Ils aiment bien la chaleur, mais il y a un seuil maximal au-delà duquel il n'y aura plus de moustiques. Alors, vous voyez par cet inventaire à quel point la finesse, si vous voulez, de ce répertoire et de ces observations. Eh bien, c'est en tenant compte, je vous ai donné là deux exemples, mais c'est évidemment en tenant compte de la situation générale des peuples autochtones que j'ai évoquée tout à l'heure, que le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui en anglais s'appelle l'IPCC, s'est saisi finalement de la question des connaissances des peuples autochtones en matière de climat. Ce groupe d'experts, dont l'acronyme est le GIEC, vous devez probablement le connaître, a été créé par l'ONU en 1988. Et ce, pour faire la synthèse, ce n'est pas un organisme de recherche, c'est un organisme qui doit faire la synthèse des connaissances scientifiques qui sont produites par ailleurs sur les effets des changements de climat dus à l'action humaine. Et ils doivent aussi produire des recommandations. C'est un organisme qui est tellement prisé qu'en 2007, à la suite de la parution de son quatrième rapport, il a reçu le prix Nobel de la paix, en même temps d'ailleurs que Al Gore, l'ex-vice-président américain. Mais c'est aussi un organisme, c'est aussi un comité qui est toujours sous surveillance, parce qu'il a bien entendu des implications politiques et financières qui découlent de ses rapports. Je précise que la seule fonction du GIEC est justement de produire ces rapports et qu'il en a produit déjà quatre et que le cinquième est prévu pour 2014. Donc ces rapports ont des conséquences, des implications et ont été souvent mis en question par des gouvernements et des scientifiques en général accusés d'être liés à ces gouvernements. On se souvient d'ailleurs, pendant la présidence de George Bush, le fils, George W. Bush, que le gouvernement nord-américain a mis en question justement le rapport du GIEC qui prévoyait donc des conséquences et des responsabilités. Donc, le GIEC est très soucieux de se prémunir d'attaques telles que celle-ci, d'attaques à sa crédibilité, tant et si bien que ces rapports qui sont rédigés en général par une vingtaine d'experts, avant d'être rendus publics, doivent être acceptés, doivent recevoir vraiment l'approbation formelle de tous les scientifiques du groupe réunis. C'est donc pour se prémunir de ces mises en question. Et c'est donc d'autant plus frappant qu'en 2011, c'est-à-dire l'année dernière, le GIEC est sollicité pour la première fois la contribution des savoirs autochtones pour le prochain rapport, celui qui paraîtra en 2014. Il faut savoir que le GIEC comprend trois groupes de travail. Le premier groupe s'occupe des choses sérieuses, c'est-à-dire de la physique, n'est-ce pas ? Et le second étudie l'impact, la vulnérabilité et l'adaptation au changement climatique. Le troisième groupe s'occupe des moyens d'atténuer ou de mitiger les effets du changement climatique. Et ce seront donc ces groupes 2 et 3 qui vont bénéficier
des apports des savoirs autochtones. On ne les appelle pas pour parler de physique et de géophysique. Et alors, c'est ainsi que, en collaboration avec l'Université des Nations Unies, qui est une université dont le siège est à Tokyo, mais qui a plusieurs programmes et a en particulier un institut d'études avancées dont le principal programme traite des savoirs traditionnels, eh bien, l'Université des Nations Unies a convoqué avec le GIEC deux grandes réunions en 2011, dont le rapport va paraître vraisemblablement, probablement le 13 juin 2012, à la veille de Rio+20. Et ces deux réunions étaient destinées à fournir des éléments aux groupes de travail 2 et 3 dont je vous ai parlé, c'est-à-dire celui qui traite de la vulnérabilité et de l'adaptation et celui qui traite de la mitigation, et tout cela en vue donc du rapport de 2014. Dans un document préliminaire où il compile quelques 400 cas connus d'apport des savoirs traditionnels aux savoirs scientifiques et aux activités d'adaptation, l'Université des Nations Unies confère aux peuples autochtones pas moins que le titre de avant-gardiste pour le changement climatique. Et je vais vous lire une citation. Voilà ce qu'ils disent. Dans un sens très concret, donc, je cite, n'est-ce pas, les peuples autochtones sont à l'avant-garde du changement climatique. Ils sont les premiers à observer en première main les changements de l'environnement et du climat. Et ils utilisent en permanence leur savoir traditionnel et les pratiques de survivance qui sont au cœur de leur résistance culturelle pour mettre à l'essai des réponses adaptatives au changement. De plus, ils le font aujourd'hui alors que leur culture et mode de vie sont sujets à des pressions significatives dues non seulement aux changements environnementaux qui résultent du changement climatique, mais aussi influencés par le développement accéléré des ressources de leur territoire traditionnel qui a été stimulé par la globalisation. Fin de citation. Vous voyez que c'est là un très gros éloge de l'importance des savoirs traditionnels. Bien sûr, il reste à évaluer les résultats concrets de toutes ces initiatives, mais il n'en reste pas moins que le statut des savoirs autochtones semble avoir considérablement changé. Et je voudrais passer à présent à la discussion de quelques exemples de ce qu'on pourrait appeler un nouvel esprit de collaboration dans le cadre des recherches sur le changement climatique. Et là, je vais revenir justement sur l'exemple de l'Arctique, qui me semble très probant. Vous savez peut-être que les températures dans l'Arctique varient de façon beaucoup plus dramatique qu'ailleurs. Par exemple, dans ce quatrième rapport du GIEC, en 2007, on constate que, voilà, là je cite encore, les températures ont augmenté presque partout dans le monde, quoique de manière plus sensible aux latitudes élevées de l'hémisphère nord. Les températures moyennes dans l'Arctique ont augmenté pratiquement deux fois plus vite que les températures mondiales au cours des 100 dernières années. Deux fois plus vite. Et par ailleurs, comme on l'a vu tout à l'heure, les modes de vie des peuples traditionnels de l'Arctique, là je ne cite plus bien sûr, que ce soit les chasseurs inuits du Grand Nord canadien ou bien les éleveurs de rennes de l'Europe et de l'Asie, eh bien, ces modes de vie, de par leur nature même et leur ancrage dans une nature finement exploitée, sont particulièrement sensibles aux variations de climat. Ces peuples donc réunissent des conditions de vulnérabilité extrêmes qui tiennent à la fois à l'augmentation plus forte de la température dans l'Arctique qu'ailleurs et à leur mode de vie particulier. Eh bien, depuis les années 1990, des recherches conjointes entre scientifiques et peuples chasseurs
de l'Arctique se sont intensifiées. Quand je dis donc peuple chasseur, c'est le continent américain. Et ces recherches conjointes ont donné lieu, au-delà de multiples collaborations sur des thèmes plus ponctuels, à la parution d'un rapport fort important qui, dont l'acronyme est ASIA, qui correspond à Arctic Climate Impact Assessment, ou soit le rapport de l'impact du climat arctique. C'est un rapport qui a paru en 2004 et qui a été publié par la Cambridge University Press en 2005. Ce qui est remarquable, c'est que ce rapport ASIA a été commandé par le Conseil de l'Arctique. Dans ce conseil siègent des représentants de 8 gouvernements, c'est donc un conseil intergouvernemental d'une part. Ces 8 gouvernements sont le Canada, le Danemark, parce que le Groenland fait partie du Danemark, n'est-ce pas ? Danemark, Finlande, Islande, Norvège, Russie et les États-Unis d'Amérique. Donc, vous voyez, mais aussi des représentants de 6 organisations de peuples autochtones, dont par exemple le Conseil SAM. Je ne sais pas si on dit Sami ou Sam, j'ai vu les deux façons d'écrire, donc je prends Sam, pourquoi pas. Le Conseil SAM, la conférence circumpolaire Inuit, et aussi l'association russe des peuples autochtones du Nord. S'y ajoutent aussi des observateurs officiels, dont d'autres gouvernements, la France en fait partie, des organisations non gouvernementales, des scientifiques et aussi des organismes internationaux. C'est donc un conseil qui a une représentation très variée. Eh bien, c'est ce conseil qui a chargé le Comité international de la science arctique de l'élaboration de ce rapport ASIA. Je m'excuse de rentrer dans tous ces détails, mais je crois qu'il est important de penser à la composition de tous ces organismes. Donc, ce Comité international de la science arctique est constitué, lui, de représentants d'organisations scientifiques, la plupart d'ailleurs sont des académies des sciences, et 300 scientifiques ont participé à ce rapport ASIA, ainsi que des experts, bien sûr, et pour la première fois, des savants appartenant à des communautés autochtones. Et tout un très long chapitre contenant plusieurs études de cas est consacré aux perspectives autochtones sur le changement climatique en Arctique. Donc, pour la première fois, ces peuples autochtones de l'Arctique ont été directement impliqués comme partenaires dans la recherche. Et de façon plus significative encore, ils se sont aussi impliqués dans le choix des thèmes de recherche. Et nous verrons que la présence des organisations de peuples autochtones de l'Arctique dans les directions et aussi dans les programmes de recherche ne fera que croître à partir de cette époque-là. C'est au fond les années 2000 qui impliquent beaucoup de changements dans cette région. Après ce rapport ASIA, qui a donc déjà innové, on en arrive à l'année 2007-2008, en fait elle couvre 2007-2009, qui a été proclamée l'année polaire internationale. C'est la troisième de ce nom depuis 1882-1883, qui d'ailleurs a été une année polaire internationale importante pour l'anthropologie, puisque Franz Boas y a participé. Franz Boas, qui est le fondateur de l'anthropologie, enfin un des fondateurs de l'anthropologie nord-américaine, et c'est là qu'il a développé beaucoup d'études sur les Inuits, qui s'appelaient alors des Esquimaux. On conserve encore cette distinction entre Esquimaux de l'Alaska et Inuit au Canada.
En 82-83, donc, il y a eu une première année polaire, ensuite il y en a eu une seconde dans les années 30, et celle-ci est la troisième. Entre-temps, il y a eu aussi une année géophysique internationale qui, elle, a pris exemple sur les années polaires et qui s'est tenue dans les années 50. Donc ce sont des événements assez espacés. Là, cette troisième année polaire internationale a consisté, comme les deux précédentes, comme les trois que je viens d'évoquer en fait, elle a consisté en un vaste programme de recherche, alors à nouveau dans les domaines physiques, biologiques et sociaux. Tout ça en Arctique et aussi en Antarctique. Et elle a abrité plus de 200 projets. Et elle a mobilisé des scientifiques dans plus de 60 pays. C'est donc un très gros effort qui a été déployé. Et les différents groupes de scientifiques, les différents réseaux, pouvaient soumettre des projets dans ce cadre. Parmi les projets qui se sont justement abrités sous les ailes de l'année polaire internationale, eh bien, certains ont innové justement dans les liens qu'ils ont tissés avec les savoirs traditionnels. Je vais d'abord vous évoquer une petite innovation pour vous parler ensuite d'une grande innovation, à mon avis. Eh bien, le premier exemple que je vais vous donner, c'est un projet qui s'est fait appeler SICKU, c'est-à-dire S-I-K-U, qui est à la fois un acronyme pour Sea Ice Knowledge and Use, c'est-à-dire usage, connaissance et usage du gel marin. Et SICKU est aussi un terme courant dans toutes les langues esquimaux de l'étroit de Bering jusqu'au Groenland pour précisément désigner le gel marin. Donc, on a trouvé bien que l'acronyme soit en même temps un mot courant esquimaux. Mais ce qui est important, c'est que ce projet, en fait, a impliqué des communautés autochtones de l'Alaska, du Canada et de Russie, c'est-à-dire de cette partie de la Russie que Sarah Palin, je ne sais pas si ça s'est tellement commenté en France, l'ancienne candidate à la vice-présidence des États-Unis, Sarah Palin, lors des dernières élections présidentielles, elle était gouverneure de l'Alaska, elle disait qu'elle pouvait apercevoir la Russie pratiquement de sa fenêtre. En effet, la région la plus orientale de la Sibérie est en fait pratiquement contiguë de l'Alaska. Donc c'est la région de Chukotka. Qui appartient donc à la Russie, les communautés autochtones de l'Alaska, du Canada et de la Russie ont été impliquées dans ce projet, aussi bien que des scientifiques de 5 pays, les États-Unis, la France, le Canada, le Groenland et la Russie. Tout ça chapeauté par plusieurs universités, des instituts de recherche de 4 pays. L'une de ces institutions, celle des États-Unis, était la Smithsonian, qui, elle, a des rapports à la fois historiques, qui datent justement de la première année polaire, celle où Franz Boas a contribué. Et ils ont aussi, à la Smithsonian, des rapports très intenses et beaucoup plus récents, avec des communautés autochtones de ces régions. Et je le souligne ici parce que ces scientifiques, la plupart sont des anthropologues, je le répète, ont, depuis les années 90, réalisé beaucoup de recherches ponctuelles en collaboration avec des membres de communautés autochtones. En général, c'était les vieux qu'ils soit interviewaient, soit avec lesquels ils voyageaient. Ils ont inauguré donc une collaboration relativement modeste, mais en même temps innovatrice, puisque
ils ont aussi fait signer très souvent leurs articles. Ça s'est fait petit à petit. Je vous en ai parlé une autre fois et je vous ai dit que ça leur faisait une belle jambe, mais aux autochtones. Mais le fait est que petit à petit, on a commencé à prendre en compte les apports intellectuels, les apports des savoirs des autochtones, sous cette façon qui est une façon très occidentale de reconnaître des mérites intellectuels, n'est-ce pas ? Mais toujours est-il que ça s'est fait. Mais la raison pour laquelle je souligne ces recherches ici, c'est que il est très important pour une collaboration véritable entre scientifiques et populations autochtones que des liens de confiance et voire d'amitié, n'est-ce pas, et certainement de compréhension mutuelle se soient établis le long d'un temps assez étendu. On ne peut pas inventer des projets de collaboration du néant. Il faut de longues années pour établir justement ce genre de rapport qui permet une collaboration scientifique avec des populations autochtones. Et c'est pour ça que je l'ai souligné ici. Alors, ce qui s'est avéré nouveau dans ce projet sur la glace, sur le gel maritime, ce n'est pas de chercher à rendre compte des savoirs autochtones, de leur vocabulaire et des distinctions qu'ils opèrent, parce que ça, on le sait, elles sont surprenantes par leur finesse. Et d'ailleurs, dans ce cas, la langue Yupik, qui est la langue d'une de ces ethnies, n'avait pas moins de 20 termes pour les différents types de gel récents et les conditions de ce gel. Je le rappelle parce que c'est là une sorte d'anecdote célèbre en anthropologie. D'ailleurs, Lévi-Strauss, dans La pensée sauvage, le cite lui aussi. Et c'est une tradition anthropologique qui remonte justement à Boas, qui aurait affirmé que les Esquimaux avaient beaucoup de termes pour la neige et qu'ils distinguaient donc toutes sortes de très finement, toutes sortes de caractéristiques de la neige. Il paraît que ce nombre a été ensuite enflé considérablement, mais par des exégètes, c'est-à-dire des anthropologues qui ont voulu en rajouter. Mais il n'empêche que, en tout cas, les Yupik ont bien 20 termes pour le gel et pour les conditions de ce gel. Et ce, simplement pour le gel récent. Hein. On ne parle pas des glaciers, etc. Eh bien, ce genre de recherche se pratique depuis longtemps, donc là, rien bien de nouveau. Mais ce qui a été relativement plus nouveau, c'est qu'on a demandé à un chasseur expérimenté, un monsieur qui de 69 ans, mais qui chasse toujours, de noter tous les jours, justement, les états de ce gel maritime, de noter le temps qu'il faisait et les activités de subsistance dans sa communauté. Bien entendu, il a noté beaucoup plus que cela. Il a noté les changements dans le comportement des mammifères marins et le déplacement de leur quartier d'hiver, par exemple. Donc, là encore, on voit qu'il n'y a rien de bien nouveau, puisque beaucoup de chercheurs, nous-mêmes d'ailleurs, nous avons suscité dans les années 90 de tels carnets quotidiens qui portent sur la chasse et l'alimentation dans une région d'Amazonie. Et par ailleurs, pour ce même village esquimau, Yupik, des observations climatiques détaillées sur 3 ans ont été retrouvées. Elles avaient été enregistrées par des maîtres d'école entre 1889 et 1898 et 1901. 3 ans de notes climatiques entre 1898 et 1901. Un trésor, évidemment, pour les climatologues qui se sont précipités dessus. Alors, tout cela n'est pas très nouveau. Alors, qu'est-ce qui est nouveau ? Ce qui est nouveau,
c'est que pour la première fois, ou plus ou moins la première fois, le responsable au Smithsonian a demandé aux chasseurs non seulement de faire le registre de ses observations, mais il lui a demandé de les commenter. Et ce qui fait que ce chasseur a produit non seulement toutes sortes d'observations, mais il a longuement analysé tout ce qu'il avait remarqué. Donc il a donné un compte-rendu que peu de scientifiques ont l'habitude de demander justement aux peuples autochtones. C'est une petite avancée, je vous le concède, mais c'est une avancée quand même importante. Alors je vais vous parler d'un autre projet de recherche qui lui aussi s'est placé sous le parapluie de l'année polaire internationale, mais qui lui a innové bien davantage et a eu des conséquences politiques autrement importantes. Il s'agit du projet EALAT. C'est l'étude de la vulnérabilité des pasteurs de rennes, alors là du coup on est en Europe et en Asie, face au changement climatique. Il faut savoir qu'il y a plus de 20 peuples autochtones du cercle arctique qui élèvent des rennes. Ces rennes sont semi-domestiquées et cet élevage se fait dans la toundra et dans la taïga. La toundra, c'est ce paysage avec des herbacées. La taïga, c'est cette forêt de conifères qu'on trouve un peu plus au sud. On compte en tout 100 000 éleveurs de rennes et 2,5 millions d'animaux. En Alaska, au Canada, en Chine, en Fédération de Russie, en Finlande, au Groenland, en Mongolie, en Norvège et en Suède. Et toutes les rennes, qu'elles soient sauvages ou domestiquées, exploitent au moins deux écosystèmes selon les saisons et pratiquent, comme je vous l'ai dit, de longues migrations. Ces migrations peuvent aller jusqu'à 1000 km par an. Et bien entendu, le pastoralisme de rennes est lui aussi transhumant. Alors ce réseau EALAT a été initié par, et c'est ça qui est quand même très intéressant, a été initié par l'Association mondiale des éleveurs de rennes en association avec le Conseil des SAM ou des SAMI, qui a été, lui, créé en 1956. Et ils ont donc soumis un projet de recherche en réseau à l'année polaire. Et ce projet a été soumis par une chercheuse, un professeur de l'université SAM, qui s'appelle le professeur Maga, et également un professeur de l'école norvégienne de vétérinaire. Et quant aux partenaires, ils incluent, entre autres, bon, ceux qui les ont lancés, bien entendu, la NASA aussi, l'Union des passeurs de rennes de Russie, des chercheurs de 6 universités, dont celle de Harvard, ainsi que l'université SAM de Laponie en Finlande et l'université SAM d'Oslo et de Tromsø en Norvège. Donc, non seulement l'initiative scientifique, cette fois, part franchement d'organisations de peuples autochtones, mais encore l'attention du programme de recherche se centre dans le rapport entre deux aspects importants. Celui d'abord de la possibilité d'adaptation des systèmes traditionnels d'élevage de rennes dans le Grand Nord, adaptation donc à l'impact du changement climatique, mais aussi, et ça c'est du nouveau, celui des contraintes de nature, surtout juridiques et économiques, qui peuvent entraver cette adaptation. Et le point est particulièrement important parce que, comme vous le savez sans doute, toutes les sociétés nomades ou transhumantes souffrent de contraintes analogues. Donc, on a déplacé, par l'initiative de ces SAM et de ces éleveurs de rennes, on a déplacé les questions
du point de vue purement adaptation au changement climatique naturel, et on a introduit fortement les questions de l'exploration des ressources dans les territoires traditionnels et des systèmes juridiques qu'ils ont mis en place. Donc, ce point est absolument central. Ce rapport, donc, a eu des conséquences politiques importantes. S'appuyant sur les résultats de ce projet de recherche, deux rapports, l'un en 2007 et l'autre en 2010, l'un pour le secrétariat de la Convention sur la diversité biologique et l'autre pour le Conseil économique de l'ONU, eh bien, ces deux rapports insistent sur les mêmes questions qu'avait soulevé le rapport de Léa Latte. Et puis le rapporteur spécial pour les populations autochtones auprès de l'ONU, lui aussi, a insisté sur exactement les mêmes problèmes. Donc ce rapport qui est issu d'un programme de recherche initié par les éleveurs de rennes a eu un retentissement très important. Et c'est à tel point que l'instance permanente sur les questions autochtones du Conseil économique et social de l'ONU a demandé à un de ses membres, en mai de l'année dernière, de préparer toute une étude sur la question. Et cette étude, bien entendu, pose avec beaucoup de force le problème des contraintes et de la disparité des législations des divers États impliqués. C'est-à-dire que, pour la première fois, on a les éléments et des recommandations dont je vais vous parler, des recommandations très fortes adressées au gouvernement, ou plusieurs de ces gouvernements. Bon, partout, bien entendu, la question, le problème des éleveurs de rennes et la disponibilité des pâturages nécessaires à l'élevage. Et bien entendu, les changements climatiques ont changé la donne. Mais il y a aussi d'autres raisons qui pèsent très fortement, notamment les projets industriels dans l'industrie des ressources pour l'Arctique. Par exemple, l'exploitation minière, l'extraction de gaz et de pétrole en mer, les énergies propres, par exemple les parcs éoliens, l'écotourisme, sont envisagés par la Norvège sur les territoires traditionnellement occupés par les Sams. La Suède est un cas intéressant parce que la Suède a une très bonne image internationale. Elle appuie beaucoup d'organisations non gouvernementales et d'organisations de peuples autochtones à l'étranger, mais elle, pour ce qui est de la reconnaissance du statut juridique des SAM à l'intérieur de la Suède, eh bien, cette reconnaissance juridique n'existe pas. Et c'est d'ailleurs une des choses dont se plaignent fortement les SAM. Alors il y a cette espèce de deux poids, deux mesures de la Suède qui est très paradoxale. Et le pays, d'après ce rapport toujours, apparemment, au lieu de s'engager juridiquement et de faire des lois protégeant le pastoralisme des SAM, a demandé aux industries elles-mêmes qui s'implantent dans ces territoires de prendre des responsabilités sociales. Or, ces industries qui sont soit suédoises, soit étrangères à la Suède, d'après ce rapport toujours, ne conçoivent pas qu'elles doivent aller au-delà de la loi. Elles sont d'ailleurs pressées les unes par les autres pour ne pas trop en faire. Donc, le résultat est que les SAM en Suède, particulièrement, se plaignent beaucoup de l'absence d'un statut juridique et d'une protection de leurs terres explicite. Donc, la Suède a installé des parcs éoliens, là aussi,
des projets liés à l'extraction minière et à l'énergie hydraulique, et ainsi que la sylviculture. Et tout ça a morcelé les espaces utilisés par les SAM pour des pâturages. Un autre exemple, dans la région du Yamal, en Sibérie du Nord-Ouest cette fois, c'est la région d'où on extrait quasiment la totalité du gaz russe, 90% du gaz russe est extrait là. Il faut donc non seulement la perforation pour atteindre le gaz, mais toute une infrastructure pour amener ce gaz dans d'autres régions, pour amener des ouvriers venus d'ailleurs, et tout cela empiète sur les territoires parcourus chaque année par les pasteurs de cette région qui s'appellent les nénettes et leurs troupeaux de rennes. Et cela est encore compliqué, dit ce rapport, par le fait que ces pasteurs traversent justement la taïga et la toundra, et que la taïga, parce qu'elle est, c'est une zone forestière, est soumise à l'autorité fédérale de la Russie, qui ne concède que des autorisations d'usage que pour 5 ans, alors que la toundra, elle, est gérée par des autorités locales et a un système tout à fait différent d'octroi d'usage. Ce qui fait qu'il est extrêmement onéreux, compliqué, de renouveler le droit de pâturage dans la taïga et la toundra en même temps. Or, la taïga est absolument importante. Ce sont les quartiers d'hiver des rennes. C'est là que ces rennes donc, mangent les lichens, etc. Et à partir du printemps et jusqu'à la fin de l'automne, les rennes paissent sur la toundra. C'est d'ailleurs très intéressant parce qu'elles changent complètement leurs sabots changent complètement d'aspect puisqu'elles ont des bourrelets pendant l'été et qu'elles deviennent des sortes de griffes. Les sabots deviennent des sortes de griffes en hiver pour pouvoir se déplacer sur la glace. Donc, pour en revenir à ce rapport, qui est un rapport qui a dû être soumis il y a moins de 15 jours aux Nations Unies, je ne connais pas s'il y a eu des décisions là-dessus, mais pour en revenir à ce rapport, il examine ainsi quelques 6 cas précis qui vont de la Norvège à la Mongolie. Et ce rapport débouche, cette fois, sur 18 recommandations extrêmement concrètes, par exemple celle adressée à la Finlande pour qu'elle accepte le statut juridique maintenant des éleveurs de rennes SAM, le problème en Finlande étant que les SAM n'ont pas l'exclusivité de ce pastoralisme et qui sont donc concurrencés par d'autres éleveurs. Donc ce rapport adresse une recommandation à la Finlande pour qu'elle accepte le statut juridique des éleveurs de rennes SAM et leur assure une protection spéciale. Voilà. Alors, aujourd'hui, si vous voulez, les exemples que je vous ai donnés, la discussion que j'ai voulu vous soumettre, elle avait pour but de montrer tout un ensemble de points. Bien entendu, il y avait l'apport des savoirs autochtones pour le savoir scientifique. En matière de climat, je vous ai dit que c'était un apport plus ou moins évident pour les raisons que je vous ai soumises. Mais il y a aussi l'importance pour les peuples autochtones eux-mêmes de ces savoirs et de leur permanence et de leur renouvellement. Je vous signale que pour certains de ces projets, on a fourni
aux observateurs autochtones des instruments de haute précision, pas seulement les instruments pour le repérage géographique qui sont maintenant très simples à utiliser, mais toutes sortes d'appareils de précision et aussi des moyens de déplacement beaucoup plus rapides. Donc il y a des changements dans les méthodes d'observation, certainement. Mais l'importance n'est pas, bien entendu, de garder, on l'a suffisamment discuté ici, de garder inchangée toute une collection de savoirs, mais l'important, c'est que ces savoirs se renouvellent selon une logique qui leur est propre, n'est-ce pas ? Et ils ont une importance très grande, pratique aussi, pour les peuples autochtones eux-mêmes, puisque ce sont ces savoirs qui les guident dans les décisions à prendre devant des conditions imprévues. Comment faire, par exemple, maintenant que le gel est tellement fin à certains endroits, comment faire pour se déplacer ou comment faire pour aller chasser les phoques alors qu'ils sont partis un peu plus loin. Ce qui d'ailleurs a été observé en particulier pour les baleines. Les baleines, à cause du réchauffement, les baleines qui sont chassées par les peuples, par les Esquimaux en particulier, les baleines sont allées se reproduire, ont fini leur migration d'hiver beaucoup plus au nord qu'elles ne le faisaient auparavant. Donc les terrains de chasse ont aussi changé. Cependant, ce sont les savoirs traditionnels qui guideront les décisions face à des situations imprévues. Mais aussi, et c'est là, si vous voulez, la chose vraiment importante, c'est que tous ces changements, dans les termes de la collaboration entre les scientifiques et les populations autochtones, sont dus à des mouvements sociaux, aussi bien à l'échelle planétaire, bien entendu, mais aussi à l'échelle régionale. Ces termes de collaboration entre peuples autochtones et scientifiques ont évolué, ont changé de façon très radicale dans les 20 dernières années parce que la sensibilité a changé et que surtout ces populations autochtones ont su s'organiser et se rendre de plus en plus visibles. Je crois que, en tout cas, le pas décisif le plus important, si vous voulez, c'est celui qu'ont franchi le Conseil SAM et l'Union des éleveurs de Rennes, qui a été celui de prendre en main la détermination même des thèmes de recherche et de la façon de les aborder. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire.